Le duc et la duchesse ont été invités à quitter Frogmore Cottage avec le prince Andrew qui aurait reçu les clés. Piers Morgan a déclaré que le roi Charles expulsait le prince Harry et Meghan Markle pour sauver la monarchie. Le présentateur de Talk TV a déclaré que le roi avait pris la décision de sauver la monarchie et sa réputation de ces deux lance-flammes, qui ne cessent de vouloir la saccager et la réduire en cendres. Morgan, discutant de l'expulsion des Sussex de leur base britannique, a déclaré aux téléspectateurs. Je pense qu'ils sont un duo malveillant déterminé à voler leurs titres royaux pour des centaines de millions de dollars et à causer des dommages incalculables à leur famille et à l'institution dans le processus. Ces commentaires sont intervenus après que le duc et la duchesse de Sussex ont été invités à quitter leur maison de Windsor quelques semaines seulement après la sortie du livre accablant de Harry's père. Le porte-parole de Harry et Meghan a déclaré qu'une demande avait été faite pour que les Sussex renoncent à Frogmore Cottage, qui est proche du château de Windsor. Des rapports ont affirmé que le déménagement avait été sanctionné par le roi Charles et qu'il affaiblirait davantage les liens avec la famille royale. La décision sera probablement interprétée comme une réprimande majeure par Charles à son fils, qui depuis son déménagement en Amérique du Nord en 2020 a critiqué la monarchie et les membres de sa propre famille, alléguant le racisme et un manque de soutien. Point. L'expert royal, le docteur Tessa Dunlop, répondant à Morgan, a déclaré « Nous voulons que notre monarchie soit plus grande et meilleure que cela, Piers. » Elle a décrit le prince Harry comme endommagé, ajoutant que Frogmore Cottage n'était pas seulement un endroit où les Sussex posaient la tête. Le docteur Dunlop a déclaré « Cela est venu en fait avec le parapluie de sécurité que vous obtenez en tant que partie intégrante de la famille royale britannique. »